Quand on achète les produits doTERRA, c'est vraiment important de comprendre c'est quoi la différence doTERRA, pourquoi on achète doTERRA. J'ai déjà entendu des gens dire, oui, mais ils sont chers, tes huiles. Non, quand on comprend vraiment la différence doTERRA, on ne trouve pas les produits chers. On les trouve à un prix juste et équitable. Donc, la différence doTERRA, c'est simple. C'est vraiment au niveau de la pureté. Et quand je parle de pureté, c'est vraiment à tous les niveaux. Et c'est important de savoir que l'industrie des huiles essentielles est une industrie qui n'est pas régulée. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Et il y a énormément de produits sur le marché qui sont altérés. En fait, la grande majorité des produits qu'on retrouve sur le marché sont altérés. La grande majorité des huiles essentielles qu'on retrouve dans des produits pour les soins du corps, cosmétiques, sont des huiles essentielles qui sont altérées. Très, très rare, on retrouve sur le marché des produits purs. Très, très rare. Donc, quand on achète doTERRA, on s'assure d'une qualité pure à 100%. doTERRA travaille dans ce sens depuis leur tout début et c'est la raison de leur existence. C'est la raison pour laquelle ils ont créé cette entreprise, pour aller à la recherche des huiles essentielles les plus pures sur le marché. Et pas seulement pures en termes de produits purs, mais aussi de façon de faire. Parce que généralement, ce qu'on retrouve dans l'industrie, c'est des intermédiaires. Donc, il va y avoir les agriculteurs qui vont revendre à un intermédiaire et l'intermédiaire va revendre à une compagnie XYZ. Donc, il est très difficile de retracer la composition réelle du produit. doTERRA a choisi de faire affaire avec des agriculteurs du monde entier et de vraiment aller où la plante pousse à son meilleur pour aller chercher le maximum des propriétés de cette huile, de cette plante. Et donc, en faisant des partenariats directs, on peut suivre vraiment la traçabilité complète du produit qu'on a entre les mains et s'assurer que ce qu'on a dans la bouteille, c'est exactement ce qu'on veut et exactement aussi de ne pas avoir ce qu'on ne veut pas avoir dans la bouteille. Et c'est là où souvent, les gens vont être surpris de voir que même si c'est écrit sur la bouteille, qu'on puisse prendre le produit à l'interne. Et c'est vraiment parce qu'on peut garantir que le produit est d'une qualité irréprochable, avec les molécules thérapeutiques qui doivent s'y retrouver pour faire le travail qu'une huile essentielle est censée faire. Donc, c'est ça la différence doTERRA. C'est un produit pur. C'est un produit qui est constant, c'est un produit qui a une réelle puissance et donc qui va faire en fait ce qu'on veut qu'elle fasse et qui est rassurante surtout quand on utilise les huiles essentielles sur nous, sur nos enfants, notre famille. On veut être sûr que ce qu'on utilise va vraiment être bienfaiteur et non pas causer du tort, comme c'est le cas avec des huiles essentielles qui sont sur le marché, qui sont altérées, coupées avec autre chose, souvent synthétisées. Donc, on n'est plus du tout dans quelque chose de naturel et que le corps va reconnaître. Et au final, ça deviendra plutôt toxique que bienfaiteur. Donc, c'est ça la différence doTERRA. Plus ça va aller, plus la science pourra prouver, parce que c'est déjà entamé. On a déjà eu la chance d'avoir notre lavande qui est analysée par un laboratoire pharmaceutique et qui a démontré que notre lavande, elle est 100% pure, qu'elle est efficace au même niveau de lot en lot, d'année en année, et qu'avec ce produit-là, on peut être complètement rassuré qu'il va faire ce qu'il doit faire. Donc, pour connaître plus d'informations sur la différence doTERRA, le site qu'il faut visiter, c'est www.source.com.
toyou.com. Sur ce site, on explique vraiment en détail la différence d'Otera. Et c'est important en tant que consommateur de le comprendre et de savoir quel impact on a quand on achète ce produit ou ces produits qui viennent de chez doTERRA.